Salut et bienvenue dans l'Expresso. Allez, un expresso un petit peu particulier aujourd'hui puisque je te demande en fait ton soutien. Alors c'est pas pour moi, hein, je tiens à le dire tout de suite, c'est pour un ami, c'est pour Ryo Kenobi. Sans doute tu as pu voir son appel, sa vidéo qui va s'afficher juste ici. Tu peux aller la regarder directement ou tout simplement écouter ce que j'ai à te demander. Voilà, l'idée est très très simple, hein, c'est que Rio, pendant l'Octogone, a réussi à se qualifier pour le championnat du monde. Et donc, comme tu dois peut-être le savoir, ce championnat du monde, il va se dérouler aux États-Unis. Les États-Unis, c'est loin, évidemment, ça coûte cher pour y aller. Et le problème, c'est que Rio ne peut pas se payer le billet. Tout simplement parce qu'il l'a abordé lui-même dans cette vidéo et il l'a abordé également dans l'interview, donc je me permets d'en parler également. Il sort d'une longue convalescence et donc quand on dit convalescence, on dit forcément une baisse de salaire et financièrement il ne peut pas assumer en fait ce voyage. C'est le rêve de Rio en fait de participer à ce championnat du monde. C'était déjà un rêve pour lui de participer à ces championnats de France. Cette troisième place est vraiment méritée. Je pense même qu'il aurait pu aller un petit peu plus loin s'il avait été juste un tout petit peu moins fatigué. Donc voilà, ce que je te propose, c'est de participer au rêve d'un homme. Moi, en fait, quand j'ai vu cette troisième place, il m'a dit, ce serait fantastique d'aller au championnat du monde, mais financièrement, je ne pourrais pas. Je lui ai dit, mais Rio, c'est très simple, tu vas demander de l'aide à la communauté, parce qu'une communauté, ça sert à ça. C'est ma vision des choses, en fait. Internet, nous permet d'échanger, nous permet, à tous d'avoir l'avis de chacun, mais surtout le soutien des autres. Et c'est ça, le propre d'une communauté. Ah, il n'était pas trop chaud, hein, je dois vous le dire. Il n'était vraiment pas fan de l'idée. Déjà, il me disait, personne ne va vouloir m'aider. Ça ne se fait pas de le faire. J'ai insisté. Il a quand même accepté de lancer cette cagnotte. Et aujourd'hui, cette cagnotte, elle s'élève à 46% au moment où je fais cette vidéo de la somme à recueillir. Très simplement, si tous ceux qui regardent cette vidéo donnent 1 euro, c'est pas grand-chose, hein, juste 1 euro. Eh bien, Rio va au bout de son rêve. Je dis au bout de son rêve parce que, en fait, le rêve, il a déjà commencé à le vivre. Il a commencé à le vivre par l'intermédiaire de ce championnat. Il a commencé à le vivre par l'intermédiaire de la communauté qu'il anime autour de Star Wars Légion, de sa page et de son groupe pour lequel il est très actif. Il a également été très actif dans l'organisation du championnat de France qui a eu lieu à Villeurbanne. Et donc, j'entends déjà les rageux qui disent encore une cagnotte de plus. J'en ai même lu certains qui disaient moi j'ai envie de m'acheter des figurines, je vais faire une cagnotte, on en est où? C'est pas du tout le sujet. On n'en est absolument pas là. On est sur quelqu'un qui a mérité ce qui lui arrive, qui a travaillé pour ce qui lui arrive, qui s'est investi, qui s'investit tous les jours pour la communauté, qui se bat pour le jeu, qui le représente à merveille et qui a gagné sa place au championnat du monde. Et je pense que ce serait vraiment malheureux que la seule chose qui fasse qu'il n'y aille pas soit pour des raisons financières. Surtout si ça te coûte à toi 1 euro. Donc je le redis, je vais vous mettre en lien sous cette vidéo la cagnotte. Bien entendu, j'y ai participé, vous pourrez me retrouver. Je sais que certains d'entre vous dans ma communauté ont déjà participé en fait à ce rêve. Et finalement, c'est quoi? C'est pouvoir s'acheter une petite part du rêve de Rio, et en ça, je trouve ça magnifique. Pour moi, c'est ça la définition de ce que l'on est. On est une communauté de joueurs, on est là pour se soutenir, et je pense que porter Rio comme ça de l'autre côté de l'Atlantique pour l'amener aux États-Unis, peu importe ce qu'il y fera, il sera peut-être pas champion du monde. Au final, on s'en fout. Ce qui nous intéresse, en fait, c'est d'aller au bout des choses et d'aller au bout du rêve. Donc voilà, ce que je te demande, c'est de cliquer sur ce lien, de lâcher 1 euro pour Rio, et puis on sera tous un petit peu champions en même temps que lui, et on vivra une part de son rêve. Je te remercie de m'avoir écouté, et puis en attendant, je vous souhaite à tous de bons jeux, et puis surtout de bons jets, parce qu'il n'y a que ça pour poutrer le type d'en face, et je te donne rendez-vous demain pour un expresso bien serré, court, mais sur un sujet ludique.